thème C. Dans cette vidéo, j'aimerais avancer sur les protections de la base. Pour ça, on a élaboré un plan particulièrement complexe avec Heureur. Le principe étant d'enlever la zone avec les entonnoirs qui défendent actuellement notre base et de faire une base complètement à l'opposé, puisqu'il y a un bug avec les chutes lentes et tout, et que ça a l'air facile de piller une base avec les potions de chute lente. Donc, vous le voyez peut-être pas, mais il y a le carré central de notre base qui a un toit rajouté. Ça, c'est la défense actuelle. Ce qu'on souhaiterait faire, c'est une base sur la surface de terre actuelle avec des murs d'eau qui fassent monter le Wither à chaque fois qu'on arrive. Pour arriver à ce miracle, on a besoin de blocs de Soul Sand et de sources d'eau. Donc ça va être long de mettre les sources d'eau et les blocs de Soul Sand et tout. Mais le principe, c'est vous avez un bloc de Soul Sand, disons que c'est lui, des sources d'eau au-dessus. Et du coup, si jamais le Wither arrive dans ce bloc-là, il est élevé tellement vite que les joueurs n'ont pas le temps de le pousser contre la base. Et donc imaginez des blocs de Soul Sand de là jusque là. C'est complètement impossible d'arriver transporter un Wither jusque-là. Le souci qu'on a réalisé, c'est qu'on peut arriver à pousser un Wither au ras du sol. Et si on pousse un Wither au ras du sol, un bloc de Soul Sand ici va être pété. Particulièrement avec les demi-dalles. Mais même si on met des blocs pleins, il y a moyen qu'ils arrivent depuis les bordures des claims. Il amène le Wither jusqu'ici, il le colle là, et pouh, les blocs de Soul Sand pètent. Puis les suivants, puis les suivants, puis les suivants. Et même si jamais le Wither est difficile à manipuler dans l'eau, ils vont finir par y arriver. Donc, notre stratégie, ça va être de casser la bedrock. J'ai vu nulle part que c'était interdit, donc pour l'instant, on se permet de le faire. Voilà. Et à la place de la bedrock, quand il y aura que de l'obsidienne, on se permettra de mettre des blocs de Soul Sand. Voilà, donc ça va être super long, mais si jamais ça nous permet de faire une base impillable dans le monde normal. Sachant que la base, ce sera juste un grand cube d'opsy avec des blocs de Soul Sand dessus, de sable des âmes pour ceux qui préfèrent en français, et des sources d'eau. Et ben, dans ce cas-là, moi je dis, il faut essayer, hein. Les amis, comme vous le voyez, ça a pas mal avancé. On a commencé à mettre du vide pour éviter que ça respawn au même endroit. Et surtout, on a fait quelque chose qu'on a pu faire parce que j'avais des stocks de bois conséquents. C'est-à-dire mettre des coffres. Il y a 450 coffres ici, 200 par là. Donc il y en aura 200 là, 200 là-bas, 200 là-bas. Enfin, énormément de coffres. Parce que les portails, pour raison de sécurité, ne popent pas sur les zones où il y a des coffres. Et donc le principe, c'est, j'ai fait un quadrillage bien régulier, bien beau et tout, pour éviter de mettre une tonne de coffres. Où il n'y a que 3 zones spawnables à chaque fois. 1, 2, 3 maximum. Et donc si jamais on va au milieu, voilà, là il y a 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mais toujours que 3. Et le portail, il a besoin de 4 de long pour pouvoir spawn. Donc ça empêche tous les portails de spawn, donc on n'a pas beaucoup de soucis, et du coup Heureur arrive à faire pop les portails là où il faut. Et si jamais on met les coffres partout, qu'on fait pop les portails là où il faut, on arrivera enfin à virer tout ce qu'on veut virer. Bon, à vrai dire, on a appris que les tapis étaient duplicables et qu'ils avaient le même effet que les coffres, du coup voilà ce que ça donne. Tu veux Bah, poser des si tu veux, tapis? je casse les coffres. Si vous voulez, je casse les coffres. Si jamais t'as une bonne hache, mais je suis pas certain. J'ai une hache en diams. Ok, J'ai 5. ouais, pourquoi pas. Ah, mais tu m'as pas Ouais, auto-destroy. Heureur, ah. tu m'as pas autorisé à destroyer. Est-ce que tu peux aider ce petit être en galère? Hop. Sinon, prends des tapis orange pour les Je vois poser. des tapis depuis 80 ans. Ils sont les A dans la. Ah ouais? Ou alors j'en ai là. T'as J'arrive, 80 j'arrive. années d'expérience, ça fait beaucoup quand même. Alors. Là, il y a Mais ça va 15 aller tapis. vite à 4 en Je fait. prends quel tapis? Je prends les tapis orange, Les tapis orange. bleu. Et bleu, Les orange, plus les beaux. deux en fait. Les tapis orange. Non, non, Oh non, non, les on plus beaux, prend les que des clairs. oranges. Mais on prend que des oranges en l'occurrence. L'orange, c'est bien comme couleur. La couleur de mon skin. Donc, toute la base sera en tapis orange. C'est Orange, aussi mon skin, donc orange, c'est bien aussi. orange, orange, orange. Orange, 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 orange. Si les gens peuvent m'aider à poser des tapis, ce serait pas mal. Ouais. Bon, j'enlève les coffres avec Lily. Je vais prendre tous les tapis, je vais faire un inventaire plein de tapis. En vrai, Moi, je c'est pourrais du mettre du bleu. rouge au milieu, ça va avoir C'est du du buff. bleu, c'est du bleu, c'est du bleu et du rouge. C'est du oh, ah, du orange, orange. Orange. Y'a rien. Du bleu. Du bleu. Et du orange. Ça fait des pixel art Et aussi, quand on voilà. regarde sur les murs. Je suis full orange. Bon, j'en ai encore Pourquoi plein. vous avez pas mis de l'eau là directement dans le gros trou? Pourquoi vous avez pas directement mis quoi? De l'eau sert beaucoup Parce que si mieux tu tombes, pour tu mettre meurs. des slash et faux.
Va au-dessus de la base et tombe en bas. Et dis-moi avec n'importe quelle armure avec laquelle tu survis. Non, mais tu meurs à part si t'as une armure protection 32 000. Mais ça, c'est qu'un détail. Ah non, mais non, tu non, peux non, pas non, monter non. à protection 32 000. En fait, au-dessus de protection 6, ça sert à rien. Mais au-dessus de protection 6, les protections ne servent à rien du tout. Ah, oui, Minecraft est fait genre t'as 25 points de protection. Tu peux en avoir 20 au maximum en mode legit. Et t'en auras peut-être 25 en mode pas legit. Mais bah, ça non, c'est pas ça. Plus. C'est si oui, jamais t'es full gros. P4, tu as 16 de protection sur 25. Et au-dessus du P5, même si mais c'est pas possible normalement, tu peux plus augmenter ta protection aux chutes. En gros, c'est de la merde au-dessus. Les gars, quelqu'un a de la bouffe ici. Je vois que c'est de tu la sais que tu peux transférer d'un seul coup beaucoup de tapis. Oui, ça, il a réussi. Non, c'est moi qui ai réussi. J'arrive pas. Faut que tu double-cliques. Il y a deux double-cliques de tapis en haut pour que j'ai enlevé le bloc dessus pour qu'on puisse. Normalement, c'est complètement impossible d'avoir un nom en dessous des tapis. Bah, j'ai vu quelqu'un. J'ai vu quelqu'un sous la couche de tapis, sous la terre et tout ça. Je crois que c'est la couche. Logiquement, c'est impossible, mais j'ai vu un nom. À moins que quelqu'un soit mort dans le vide. Non, non, c'est pas possible. C'est peut-être un anti. Anti-cheat. Mais j'en ai jamais vu. Peut-être qu'il y a un cheat qui s'appelle. Je ne sais plus. Il y a un cheat en gros où tu peux passer sous la bedrock à 3000 blocs par seconde. Ouais, mais bon. Tapis. Je pense que c'est quand même. J'ai toujours rêvé de mettre des tapis. Eh bah voilà. Mon rêve. Tu peux enfin accomplir ton rêve. Partout. C'était mon rêve d'enfance. Les gars, quelqu'un de la bouffe. Les gars, quelqu'un de la bouffe ici. Descends, je t'en passe. Je suis en plein milieu du l'escalier. Les gars, quelqu'un peut me passer de la bouffe? Oui, descends, gars, je t'en passe. Personne ne casse mon... Oh mais non, mais t'as cassé mon escalier. C'est pas fait exprès. C'est tellement stylé avec le tapis bleu au milieu. Connard. Ah, j'ai pris des dégâts. What? J'ai pris des dégâts, là. Parce que t'as pas amorti suffisamment ta chute non, dans l'eau. J'ai un échange. Des tapis contre de la viande. Merci. Okay. En gros, là, j'ai l'inventaire rempli de tapis. Donc je devrais être... Bah, mets dans ta seconde main. C'est pas cool, mais attends. Oh, bah, ma touche pour mettre dans ma seconde main. On va déjà avoir fini trop vite. C'est F la touche pour mettre en seconde main. Non, mais moi je l'ai changé, ma touche F c'est pour sneak. Mais arrête de casser les tapis. Mais non. Je l'ai fait pas exprès, j'ai pas fait exprès, tu peux comprendre. Pour la peine tous les gens qui vont descendre. Qu'est-ce qu'on fait après? On vire les entonnoirs? Tu veux que je remette du verre, Aurore? Non, non, c'est bon. Mais ou alors est-ce que Aurore, on met des tapis sur les entonnoirs pour Ah, c'est moi. Ah, non, faut qu'on en vire au moins un morceau. Non, faut enlever tout, hein. Il a cassé un mur et ça a fait un super breaker. Trop bien. Non, mais pour l'activer, tu es obligé de casser un bloc qui se casse rapidement. Non, mais un bloc naturel. Je suis pas con non plus. Voilà. Un bloc naturel. J'étais au courant, toi, au moins. Moi? Tu veux des tapis? Pas con, mais... Faut que ce soit un bloc naturel, Big Lot. Mais c'est bon, j'ai rempli mon inventaire de tapis, là, je suis full. C'est plus nécessaire les tapis maintenant. Sauf si jamais vous voulez mettre des tapis dans les grottes, mais. Ça récupère les trucs en fer et tout. Ouais, faudrait mettre un mini mur d'obsidienne tout autour pour ne pas qu'il puisse faire tomber des creepers. Ouais. Bah, go, hein, je pense qu'on a de l'obsidienne en stock. Ça sera plus joli. Tu pas les gens, Dark Moon? Non, t'inquiète pas. T'inquiète pas. J'ai jamais fait ça, surtout pas avec Error 7. Pas du tout. Et Ryan. Mais là, moi je pense qu'il y a des noobs, ils vont mourir. Voilà. Non, gang. Faut mettre un trou. Oh, oh bah tiens, c'est mort. Et ça le dérange pas de faire des sneak à côté. Et il revient, et il fait coucou, c'est moi. C'est moi. Ça veut dire quoi par gain du coup? Okay, je sais pas. J'ai cherché sur Google Trad. Ça ressemble à Bergen, qui est une ville scandinave. Je crois que c'est une ville. Hein. Google Traduction, anglais. Bergen. Si jamais c'est Bergen. Bonne affaire. C'est une bonne affaire. Ah, il veut faire une bonne affaire pour ton stuff. Bon, en fait, son stuff il est mieux que tien, mais c'est pas grave. Ah, mais c'est A-I-N, pas A-N. Tout ça, c'est parti parce que je l'avais tué. Non, c'est parce que tu m'as tué, connard. Non, je l'ai tué à toute l'origine. Je l'ai tué à la base de l'Alliance. Ouais, c'est lui qui l'a tué après. My stuff given back. Et end.
Bute-le et barre-toi, ça va plus vite au moins le faire rager. Et tu lui dis que... As I was about to... Tu m'as fait peur, hein. Tu vois les blocs qui se posaient tout seuls, je m'approche, je vois que le joueur change. Et après pas. Tu lui dis, je me barre avec ton stuff si tu me le donnes pas. Tu déco et tu te reco. Le mec, il va trop prendre. Vas-y, ça, quitte. C'est un anti-déco combat, gogol. Oh, vous êtes trop méchants avec lui. Il a récupéré le stuff. Il est trop bête, il a vraiment cru. Il est oh, les méchants. Eh, Vega, c'est qui Foxo? Oui. On dirait un gros dealer de shit dans sa photo de profil, c'est vrai. Est-ce qu'il faut moi, tu l'avais un Q négatif comme moi? Tiens, Vega, non. Je te passe ton. Il est bi. Bah, je crois pas, mais si jamais mon prof m'avoue voilà, qu'il est bi, tu peux faire oui. Des fire resistance. Tu sais que bi, ça veut dire que t'aimes l'aubergine et la moule. Paye des boules de slime à la... que j'aime les aubergines et les moules. Pas trop les aubergines, mais les moules, j'adore. Ah, les moules, j'aime pas, les aubergines, j'aime pas. Voilà. Allez, vous préférez quoi, les aubergines et les moules? Répondez bien à cette question. Au cas des deux, j'aime pas. Il a des problèmes. Et ne pas aimer les moules, faut quand même le faire. Ouais, enfin. Moi je dis. Ah, c'est René, pas, Ali, pas René, débile. Ali. Waldari, oh, t'as bien les aubergines, hein, cochon, hein. Quoi, tu dis ça? René, Ali, Ali. Oh, le mec, j'ai pas dit tout cela, trolleur. Les mecs, j'ai envie de faire un truc. Waldari, il est trop gentil. Waldin, écoute. C'est une âme trop gentille. Innocente. Waldin, écoute. Tandis que toi, t'as combien? Il a un petit air cochon, hein. Il est aubergine. T'as combien quoi? Ok, alors c'est parti pour le duel. Contre Marix, j'espère qu'elle va me trapper, mais bon, on va prendre le risque. Je vais quand même mettre de l'invisibilité. Toutes les potions qu'elle se claque. J'ai un arc, tout est bon. Il me manque de la speed de mon côté. Hop, ça pique. Elle gère bien. Oh yo 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 yo. Elle a géré, hein, je pensais pas. Qu'elle me ferait aussi mal à la hache. J'ai déjà tout pris, moi. Elle fait tellement mal parfois. Ah, coup de lag. Elle a de la vie en plus. Tellement mal, c'est étonnant, hein, je m'y attendais pas. Bon, j'ai l'impression que Kaed Maui a nerfé l'arc comme il voulait. Presque plus de popo, moi.
Ah mince, elle m'avait claqué la popo déjà. J'ai plus de speed, j'ai l'impression, c'est ça. J'ai plus de popo, ça va être la fin pour moi. Oh, bien joué. Ah non, ils ont pas retiré les dégâts améliorés de l'arc. Ah, c'est plus dur quand je joue à l'arc, Marie. Il manque de la speed, moi. C'est bon. Ah, mais elle me fait claquer tellement plus de popo quand elle met un coup critique, quand même. Elle était ma dernière popo. Je crois qu'elle prend pas de speed. Je profite de l'eau, hein, carrément. Ah, j'ai pas touché au bon moment. Ah, j'ai beaucoup ralenti. Mauvais plan. Oh, sacrée chute, j'imagine. Ah, j'arrive pas à la toucher. Mon Dieu. Il a fait tomber. Beaucoup plus équilibré quand je joue à l'arc. Hein. Je voudrais pas dire, mais. Elle est super forte à l'âge. Beaucoup plus que ce que j'avais imaginé.